Mesdames et messieurs, bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo Wish, les amis. Et oui, faut bien commencer par là. Bon, j'ai commandé quelques petits accessoires, 3 colis précisément sur Wish. On va tester leur qualité, leur fiabilité, le prix, hein, et la grosse arnaque que tout le monde tombe dans le panneau à chaque fois. Alors pour tout vous expliquer, j'ai toujours des ampoules avec moi, une vieille ampoule là, voilà, qui traîne avec moi. Et du coup je me suis dit, bah c'est bien mignon, mais il n'y a plus rien à l'heure actuelle, pas grand chose, qui fait qu'on puisse les allumer, les alimenter. J'ai donc acheté, tada, ce petit accessoire. Et oui, ce petit accessoire avec un bouton on et off sur son devant, sa façade, un pas de vis E27, voilà. Et la particularité de cette chose-là, je bafouille, c'est qu'on puisse tourner la chose, si j'y arrive, à 90 degrés, tout simplement. Vous êtes dans le mur, ok, tac. Vous voulez tomber l'ampoule. C'est fixé. Si votre prise est verticale et que vous voulez mettre la lumière à l'horizontale, vous pouvez. C'est super. Premier objet. On va tester si ça s'allume. J'ai donc pris une multiprise rallonge. Voilà. Il y a du courant, ça s'allume. Voilà. On va tout de suite brancher cette chose-là, en espérant que ça ne saute pas à la gueule. Voilà. C'est pas terrible, mais ça, voilà. Très bien. Je vais faire on. Voilà. Et là, j'appuie sur on. Oh, bah ça s'allume. Ah. Est-ce que... Ah, ouais. Oui, effectivement, ça s'allume, c'est... Eh bien écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas cette chose-là? Je valide le premier objet. Passons tout de suite au deuxième objet. Excusez-moi, parfois ma voix est un peu enrouée parce que je suis un petit peu malade, voilà, mais c'est pas trop dramatique, voilà. D'ailleurs, à la vôtre santé. Ah, excellent. Voilà. Deuxième objet, donc pour ma part, j'ai un téléphone à la pomme, voilà, donc un iPhone 6, tout ce qu'il y a de plus standard, voilà. Et je me suis dit, on va acheter une petite coque pour ce téléphone, donc j'en ai commandé 2, voilà, elles sont arrivées, elles sont là, voilà. C'est vrai que de là, on dirait qu'elles sont semblables, mais pas du tout, ce ne sont pas les mêmes. Il y a une coque couleur lit de vin. Je vous la montre de plus près. Enfin, c'est une sorte de... Bon, un peu comme ma chemise, quoi, voilà. Le rouge marron très clair, enfin, voilà. Et une autre marron imitation cuir. Voilà. Enfin, si on arrive bien à voir, ça m'étonnerait. Voilà, on va les tester tout de suite. C'est parti. Voilà, c'est installé. Bah, écoutez... Tout tourne pile en face des trous. Coque marron validée, les amis. On va maintenant passer à la coque lit de vin. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc le haut-parleur, la prise lightning, le jack, l'appareil photo, le flash. Tout coïncide, tout tombe parfaitement sur ces trous. Voilà. Donc la deuxième coque, c'est validé, les amis. Et comme vous êtes sympa, allez, on va faire un petit quatrième objet. Là, c'est parti. Et comme je suis quelqu'un de passionné aussi par la marque à la pomme, Apple, les amis, je vous mets tout de suite la pub de l'iPhone 6. C'est parti. Thank you.
Alors, comme je fais des prestations, différentes prestations de magie, de musique, voilà. Donc, je me suis donc fait faire des cartes chez Vistaprint, voilà. On le voit juste ici, très bien. Et du coup, comme certains ont pu déjà la remarquer, donc c'est une carte de visite standard, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est bien mignon, mais la boîte, je peux pas me la trimballer avec moi comme ça tous les jours sur moi. Il faut un porte-carte. Et oui, alors du coup, je suis allé voir sur Wish et j'ai trouvé ce magnifique porte-carte, voilà, de la même couleur que la coque marron, voilà, avec un bouton pression, deux rivets pop, voilà, et à l'intérieur, une cinquantaine de petites feuilles, voilà. On va tester tout de suite, c'est parti. Donc, on va prendre une carte de visite. Voilà, on va la glisser à l'intérieur. Voilà, très bien. Et écoutez, c'est beau, c'est propre, c'est parfait. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et puis, on va faire d'autres vidéos Wish. J'en ai plein pour vous, plein de produits pour vous. À la prochaine, c'est parti.